Oui, bonjour. Eh bien, on a atteint à peu près 400 participants sur la randonnée, sur différents parcours, 20 km, 33 km et 40 km. Il y a un 20 km qui est accessible à tout le monde, hein, de 8 ans à 70 ans. Ensuite, 33 km, c'est un peu plus difficile, il y a un peu plus de dénivelé. Donc on a à peu près 600 mètres de dénivelé sur le 33 km. Et le 43, c'est beaucoup plus technique et spécifique à des vététistes confirmés. On emprunte la forêt de Noroy. Ensuite, on redescend sur la forêt de Puvenel. Donc on est entièrement balisé sur les sentiers forestiers et techniques. On emprunte quasiment pas de route. Les gens partent de 7h30 à 10h. Et puis, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de chronomètre. En ce moment, on fait beaucoup de VTT à l'extérieur. On a voulu l'essayer, c'est la première fois. On n'avait jamais fait Pont-à-Mousson. Et pas déçu, hein. Très bien. On essayera même l'année prochaine le 30. On n'a pas osé, on a préféré rester sur le 20. On commence un peu. Ouais, ça a été impeccable. Ouais, c'était bien, bon dénivelé, tout correspondait bien, impeccable. Pour une première fois, c'était bien. Ben pour la première fois, le 20, je pensais que ce serait dur, vu qu'on n'est pas de la région, on n'est jamais roulé dans les bois là. Mais disons qu'on aurait pu faire les 33, vu à l'heure qu'on arrive. Hein. Vu que nous on est de Meurbach, et Meurbach c'est pareil, ça grimpe, c'est... On reviendra, vu que c'est pas trop loin, on reviendra visiter les Pont-à-Mousson.